les vêtements produits des commerces de Satan. Qui le croit? Moi. Amen, totalement. Totalement. Hein? Totalement. Aïe, 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 aïe. J'étais une victime. Ah, gloire à Dieu. Il y en a qui vont nous encourager ici. Amen. Amen. Nous avons vécu la chose. Un tourbillon. Hein? Le vêtement produit de commerce de Satan. Ah, Seigneur, comment ils traficotent avec ça? On n'a pas l'idée. On n'a vraiment pas idée. Produit du commerce par excellence de l'ennemi. Depuis la nuit des temps. Amen. Amen. La Bible déclare dans 1 Jean, chapitre 5, au verset 19. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Eh oui. Amen. L'homme a fauté. Dieu est venu mettre sa justice sur l'homme pour lui pardonner, pour le racheter, le ramener à lui. Mais Satan, de son côté, il dit, moi non plus, je n'ai pas dit mon dernier mot. Ça va être la guerre. Les vêtements là que tu as mis comme solution sur lui, tu vas voir ce que je vais en faire. Et nous tombons beaucoup dans ces panneaux. Mais cela ne sera plus ton cas au nom de Jésus. Amen. 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 Le vêtement, le produit de commerce par excellence du diable, qui nous fait quitter de la pudeur à l'impudicité. Le pont entre le vêtement et l'impudicité. Le pont entre la pudeur et l'impudicité, c'est quoi? C'est le vêtement. C'est quoi la pudeur? Vous attendez que la réponse tombe. Hein? La pudeur, c'est le respect, maman, Tata Jolie. Oui, c'est le respect. Ça rentre dans les packages. C'est le respect. Quoi d'autre? Bon, je vous l'ai mis là. Ce soir même. La pudeur, c'est vraiment cette habilité à vivre connecté avec son homme intérieur, c'est-à-dire son esprit. Sachant que son esprit est lui-même connecté à Dieu. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un fait la gymnastique dans son cerveau pour comprendre la chose? Amen. Être pudique, fonctionner avec pudeur, c'est être en mesure de vivre connecté au travers de son esprit, à l'esprit de Dieu, qui me communique en fait sa nature, ses principes, ses valeurs, sa pensée, ses lois, ses commandements, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Quand je suis connecté à Dieu par mon esprit, par mon homme intérieur, je deviens capable de capter ce que Dieu veut, ce que Dieu ne veut pas. Et c'est ce que je vais extérioriser à l'extérieur. Les expressions externes que tu vas avoir vont être influencées, poussées, motivées par la nature de Dieu à quoi je suis connecté par mon esprit. Et c'est ça la pudeur. Dieu, c'est un Dieu saint. Et lorsque je suis connecté à sa nature, ce qui sortira de moi, c'est cette sainteté-là de Dieu, en fait. L'inverse, les comportements vestimentaires selon le monde va étroitement contredire ce principe de la pudeur. La mode, le vêtement que le monde va nous faire va contredire ces principes. C'est là que l'impudicité arrive. Justement, c'est l'absence de la pudeur. Il n'y a pas de pont de mon esprit avec connecté à l'esprit de Dieu.
Donc, si mon esprit n'est pas connecté à l'esprit de Dieu pour recevoir ce que Dieu aime, ce que Dieu veut, ce que Dieu attend, ce que Dieu, comme principe, valeur, nature, tout ça, automatiquement, je suis connecté à une autre source par la chair. Si je ne suis pas connecté à l'esprit de Dieu pour me communiquer les valeurs de Dieu, mon esprit sera influencé par des pensées venant de la chair que je veux commencer à adopter et exprimer à l'extérieur. Le système de pensée impudique va exposer en plein jour la nature du péché. Le non-respect du temple du... C'est quoi le temple du Saint-Esprit? Ah, quitte là. Quel temple du Saint-Esprit? Allez, vas-y. On va le voir, on arrive. Cette nature de péché que Dieu a cachée derrière le vêtement, lorsque ce n'est pas Dieu qui gouverne, si ce n'est pas Dieu qui est connecté à l'esprit de l'homme ou de la femme, son esprit sera connecté à l'esprit, à la chair, et du coup, ce sont l'impureté, la nature de Satan qui sera exposée à l'extérieur. Mais alors qu'à l'origine, Dieu voulait que cette nature des péchés qui était venue se greffer à nous soit cachée derrière le vêtement de justice en nous. Nous voyons que si nous ne comprenons pas déjà le sens des vêtements matériels qu'il y a sur nous, nous aurons du mal d'aller dans la dimension spirituelle pour asseoir le sens de vêtements et ne pas m'autoriser à m'habiller n'importe comment. La pudeur, c'est ton esprit qui est connecté à l'esprit de Dieu qui va te communiquer la nature de Dieu. Et du coup, automatiquement, tu vas exposer à l'extérieur la nature de Dieu. L'impudicité, on est connecté à la chair, on va exposer la nature de la chair. Alors qu'au départ, Dieu a voulu, Dieu a mis les vêtements sur nous pour cacher l'exposition de cette nature de péché. La tendance vestimentaire inspirée de la pensée du monde va exprimer la nature de l'esprit impur qui fait la guerre à la nature de Dieu. On devient la plateforme d'expression de Satan, de la nature de Satan. Nous sommes utilisés. Allez, laisse-moi m'exprimer. Laisse-moi danser en toi. Que le monde voit ma nature. Comment je domine. Je suis le monde entier sous la puissance de Satan. Il faut que toi, la plateforme, il faut qu'on me voit au travers de toi. Que une sainte colère s'élève en toi à partir de maintenant. Amen. Plus le diable Amen. Faire de toi sa servière. Où il vient s'exprimer et danser devant le monde entier. Gloire à Dieu. Au lieu de cacher la convoitise, l'avarice, le vantardise, complexe d'insupériorité, complexe d'infériorité, orgueil, suffisance, esprit des eaux, au lieu de cacher ça derrière le vêtement, Satan vient dire, exposons-le! Par la manière de s'habiller, j'expose la convoitise. Je vois ma voisine avec quoi? Alors, moi aussi, je vais aller prendre. Je vais montrer que moi aussi, je peux m'acheter. Je peux m'habiller comme ça. L'avarice, vantardise. Je m'habille avec... J'ai un sac à main, je ne sais pas, de 500 euros. Rien que la marque. Complexe de supériorité. Tu te crois supérieur parce que tu as un vêtement qui coûte 1000 euros? Mais supérieur à qui? Nous sommes tous enfants de Dieu. Nous avons le sang de Jésus, le même sauveur. Le même esprit est venu habiter en toi et en moi. Au nom de quoi tu vas être supérieur à l'autre? Amen. Amen. Aïe. Et ce n'est pas le sac de Louis Vuitton ou les vêtements de Louis Vuitton de 1000 euros qui te donnent l'ascendant. Amen. Voilà ce que, malheureusement, l'impudicité fait en nous. On devient des plateformes d'expression de toutes ces choses. De l'orgueil, de vantardise, des esprits des autres. Le vêtement sur nous va contribuer à faire parler, à
exprimer, à agir, à faire agir la nature de Satan. Que Dieu a voulu cacher depuis le commencement. Cache ça. Ne les laisse pas se dévoiler, s'exprimer, s'exposer. Cache ça.